With you did this one in 2Q5 sur Kenner de Pauvre vidéo de Ken Adwali Makathura nous t'aimons les l'an à ce qu'il Goukham ni Zerfan nous m'dan Zougarman dans la maison des droits de l'homme et des citoyens de Tizi Ouzoum et des semblants qui créent une moussouthan يك وقد قد شنا كي كان ذي ثموث أن يقبي لي نشكو ملالند سيسم فرانسيس كوميتي بريباراتوار لا كونفيرونس ريجونال دو كابيلي مزمتين نغات قبيليت أسقامو نوهي نو سارة كانت منات نتموث أن يقبي عندها ملالند وكنا ذي مسلايين غافو فين إزمان أتخذ من إثموث أن يقبي لي بغير لافيل هذيك كون نجاد دواليم هذا شو اي ديفرونس سي تملي لي تاكين سلا كونكلوزيون ينس اتسان غون En cette période de mutation profonde que traverse actuellement l'Algérie et depuis le soulèvement populaire de février 2019, nous sommes appelés à prendre nos responsabilités en définissant un horizon de lutte pour construire un avenir répondant aux aspirations du peuple. Notamment de sa jeunesse. Ces luttes doivent aboutir à un véritable changement qui mettra fin au système de domination politique qui s'est imposé par la force et la manipulation de la rente depuis 1962. Notre région, avec sa longue tradition de lutte politique, a une place particulière dans l'histoire contemporaine de notre pays, de par sa présence prépondérante dans tous les combats, depuis le mouvement national jusqu'à présent avec son engagement massif dans le mouvement populaire, le Hirak, le Senkara. Tout en subissant le diktat imposé à l'ensemble du peuple algérien, la Kabylie subit en sus une répression endémique, accompagnée d'une politique insidieuse de normalisation et de déculturation. Son identité, sa langue et sa culture sont menacées. Son développement économique, social et social est entravé. Ses institutions organisationnelles sont délégitimées et son histoire est sujette à un révisionnisme éhonté. Aujourd'hui, l'espoir vient de la disqualification de nos concitoyens de la politique de l'ennemi intérieur kabyle, érigée par le système pour diviser et se maintenir au pouvoir. Ce changement décisif, dont nous nous réjouissons, permet la jonction des luttes contre ce système dans un cadre unitaire, afin de construire solidement des perspectives démocratiques pour l'Algérie. Le dernier référendum sur la Constitution a montré l'unanimité et la puissance du rejet du système politique par toute la nation algérienne, avec une Kabylie en quasi-désobéissance civile. Citoyennes, citoyens, comme nous l'avons écrit dans la lettre ouverte à nos concitoyens algériens, nous sommes dans un moment crucial pour une refondation nationale saine par la base, fondée sur la réalité des territoires, en reprenant le fil transmis par nos aînés, artisans du congrès de la Souma. C'est sur ces legs historiques et dans l'esprit du Hirak, Tenkara, que se construiront les convergences démocratiques, dans le respect des spécificités régionales, de la pluralité politique, pour aboutir à l'organisation d'une force populaire, à même d'imposer une transition démocratique, en nous inspirant des expériences dans le monde. Ce processus jettera les bases d'une république démocratique régie par un état de droit qui va consacrer les libertés individuelles et collectives ainsi que l'égalité homme-femme. Cette conférence régionale a pour ambition de rassembler l'ensemble des forces de la région qui croient à la nécessité de trouver une articulation féconde entre le combat national et les préoccupations spécifiques de la Kabylie. L'objectif stratégique et indispensable étant la démocratisation de l'Algérie. Il est aussi impératif de répondre à une demande de refondation de l'État-nation qui permettra la reconnaissance d'un statut particulier à la Kabylie dans un État régionalisé ou bien un État fédéral. Cette conférence sera aussi le lieu d'échange et de débat entre les différents intervenants et surtout le lieu d'élaboration d'une plateforme dont l'objectif est d'ouvrir une perspective politique qui sera portée par des comités populaires citoyens, indépendamment de leur appartenance ou non à des organisations politiques. Cette initiative citoyenne se veut aussi source d'inspiration pour toutes les régions du pays afin de s'organiser et aboutir, comme souhaité,
une conférence nationale, inclusive et représentative, loin des constructions médiatiques artificielles. Enfin, la conférence régionale de Kabylie se veut un rassemblement de toutes les énergies pour créer une perspective organisationnelle incontournable pour la mise en place d'un rapport de force nécessaire pour imposer une véritable transition démocratique. Il est cependant utile de préciser que cette initiative n'a aucunement la prétention de parler au nom de la Kabylie ou de représenter la diversité politique qui la traverse. En ce sens, nous devons faire preuve d'innovation et de générosité, car il y va de l'avenir de la Kabylie et de l'Algérie tout entière. Citoyennes et citoyens de Kabylie, agissons pour faire aboutir la plus grande opportunité politique qui nous est offerte pour les générations actuelles et pour les générations futures. Ce sont nos engagements d'aujourd'hui qui détermineront ce que sera l'avenir de la Kabylie et de l'Algérie. Le comité de préparation de la conférence régionale mis en place en ce jour est chargé de coordonner les travaux de préparation et d'établir une feuille de route qui fixera la date et le lieu de la conférence. Et en cette journée du 19 mars, date du cessez-le-feu, nos pensées s'en vont vers nos martyrs d'hier et d'aujourd'hui. Vive la Kabylie et vive l'Algérie.